La Petite Mort est un jeu de draft basé sur la bande dessinée de Davy Mourier. Les joueurs incarnent des petites morts qui passent leur diplôme de fauche. Les Grands Méchants en est la première extension. Elle ajoute de nouvelles cartes personnages et caractères, mais aussi des diplômes et la possibilité de jouer jusqu'à 5 joueurs. Les pions utilisés dans cette vidéo sont les Twin Pulse officiels La Petite Mort du studio Twin Games. Comme vous le savez, les méchants ne sont pas gentils. Ce qu'ils aiment, c'est terroriser le monde, le plonger dans le chaos et la folie. Lorsqu'un joueur pioche une carte méchant, chaque autre personnage qu'il possède gagne immédiatement une faiblesse. Elle doit être différente de celle qu'il possède déjà. Si l'un des personnages n'a vraiment pas de chance et cumule toutes les faiblesses, il n'en prend pas de nouvelles. Entraide oblige, un méchant ne peut jamais prendre de faiblesses de cette manière. Faucher un méchant est plus simple à dire qu'à faire. Il faut avoir des ressources ou être organisé. Un joueur seul peut faucher un méchant s'il dépense un jeton DevPowa en plus des conditions de la carte. L'autre solution, sans surcoût, est de le faucher à plusieurs. Lorsqu'un méchant part au cimetière, c'est le soulagement parmi les gentils. Chaque autre personnage du joueur fauché perd un jeton DevPowa. L'extension propose une règle additionnelle pour certains objectifs à place limitée. Lorsqu'un joueur réalise l'un de ses objectifs, son jeton prend la place du jeton qui s'y trouve déjà. Pour conclure, l'extension Les Grands Méchants ne change pas fondamentalement les règles du jeu, mais il ajoute de nouvelles cartes à découvrir et un peu d'interaction supplémentaire entre les joueurs.